Coucou YouTube, pardon, j'avais pas vu, je comprenais pas si c'était ok. Bienvenue dans ce nouvel épisode, cet épisode 8. J'ai aucune idée de combien c'est en fait. Est-ce qu'on peut faire un truc là-haut? Pas du tout, je pense qu'il faut juste partir. Partir, un jour, sans retour. Oh, ce bruit désagréable. Désagréable au possible. Je vais juste tester. Comme ça n'a pas marché. Si je peux passer le jeu en ultra. Ah bon, il s'est mis en personnalisé. Parce que ça tient bien sur le live, donc autant tenter le diable. Et surtout mettre la souris ailleurs. Moi j'ai pas de ralentissement particulier. Donc ça devrait aller. Alors je sais pas trop si là je dois du coup passer à gauche ou aller à droite direct. Dans le doute je vais aller à gauche parce que je trouve ça bizarre qu'on puisse y aller. Et au pire j'aurais peur et je reviendrai dans l'autre sens. Ok donc... Ah mais si, regarde, là il y a un truc. Il y a une pièce entière. Étrange. Une pièce dégueulasse. Je sais pas trop si on doit aller sous le lit là. Hein. Je sais pas trop si on a envie de voir ce qui s'est passé. Ouais, pas ouf. Hein. Ok, bah c'est bien. Allez, à plus. C'est un genre de prison du coup, mais bizarre. Il y a des trucs qui ressemblent à des enfants. Genre nous, on ressemble à des enfants. Ça s'ouvre pas ça. Ok. On aurait cru franchement. Il y a des gens qui dorment. Totalement flippant. Est-ce que ça marche d'être sous le lit? Ça a l'air de marcher. Totalement flippant. Faut savoir que les battements de cœur que vous entendez, moi j'ai la manette qui vibre en même temps, c'est totalement flippant. Personne. Le problème c'est que là s'il y a un autre lit. Probablement une raison. Je ne vois rien. Je ne vois rien, je ne peux pas me cacher sous un lit s'il y a besoin. Où est-ce que c'est ça? Ok. Quel stress! Ah, je vais me péter la gueule. Ça va tomber ça. Apparemment non. Je me demande combien de temps dure le jeu. Qu'est-ce que c'était ça? J'ai faim? S'il y a une boîte là comme ça, je vais peut-être devoir me cacher. Mais comment ça se fait que j'ai ça? J'ai mal au ventre comme ça.
Ah, mais j'ai vraiment faim en fait. Est-ce que c'est une bonne idée de manger un truc qu'on jette comme ça? Bah merci mec, mais je suis désolé, je peux rien faire pour toi apparemment. Donc si on veut se pendre, il y a de quoi faire. Est-ce que ça va s'ouvrir? Je peux même pas l'attraper donc non. C'est une douche dégueu. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Quelle ambiance de merde. Quelle ambiance de merde. Une belle ambiance de merde ici. Est-ce que j'ai l'impression qu'on peut monter là, mais je sais pas si ça sert à quelque chose. Non, j'ai pas l'impression. Le chien me fait peur parce qu'il fait des bruits étranges en se secouant sur son panier. C'est bizarre qu'il nous montre ça comme ça. Ah! Si, on va être obligé de faire un truc là. On peut pas passer là. Comment on va faire? Par au-dessus? Comment on va faire? Oh là là. J'imagine que là il va falloir passer par là. Je sais pas comment. Ah là! Ok. Ah mais en fait c'est ça, on va se balader partout. Je me demandais si on devait passer là et en fait totalement. L'un de ces placards là, il y en a un qui va s'ouvrir sur ma gueule au bout d'un moment. Parce que il y a trop de... Ils sont trop partout, sans raison. Ok donc c'est ça. On va juste attendre qu'ils reviennent un peu plus parce que là le... Bon, on est dans un bateau pour que ça tangue comme ça, c'est pas possible. Allez. Je vais pas pouvoir faire grand chose si tu t'avances un peu plus. Hein. Mais en fait, où est-ce que je dois aller? Ah non, je dois monter là. Ok. C'est peut-être ça. Là, il y a une manivelle. Que je ne peux pas bouger. Là, il y a une manivelle. Qui remonte ça. Ok. D'accord. J'imagine qu'il va falloir que je la mette vers la gauche et que on y aille. Ça m'a fait peur. Et là je peux monter? Ah bah oui, je suis con, je peux monter sur la... Sur la truc elle-même. J'y pensais pas. Ok. Parce que là je dois monter sur un truc parce que je vois que... Ok donc là il y a du courant. Est-ce qu'on va pouvoir escalader ça? Pas trop, mais un peu. Ah, on peut tirer les tiroirs. Non.
c'est sauter que je voulais. Non plus. Voilà. Ça va être les tiroirs d'à côté. Comment je fais? Celui-là? Celui-là, oui. Mais arrête de les pousser. Oh. Là, on est pas mal. Non, trop. Du coup, est-ce que j'ai un moyen de le pousser? Pas trop, en fait. Je me suis niqué tout seul. Merde, comment j'ai fait? Comment je fais? J'ai niqué le game. À moins que ce soit voulu et qu'en fait juste tu fais ça. Yes, ça marche. Et ensuite tu fais ça. Parfait. Et après tu sautes là. Raté. Mais je pense que c'est l'idée. Je pense que l'idée, c'est effectivement tu sautes d'un truc à l'autre. Oh là, je conseille vraiment de jouer à ce jeu avec une manette avec des bonnes vibrations. Genre là, j'ai la manette Xbox One Elite, là. La manette un peu... un peu plus. Y a pas de timer, j'ai l'impression. Un peu plus là de la Xbox et les vibrations font vraiment partie du truc quoi. Je coupe pour YouTube, à bientôt YouTube et on se revoit au prochain épisode. Bisous.